Bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans Fafa. Alors aujourd'hui, nous avons déjà reçu cet artiste il n'y a pas longtemps et il a été vraiment d'un grand buzz au niveau de la toile et partout à travers cette émission. Beaucoup de personnes ont apprécié son talent, sa manière d'être et son côté un peu humoristique. Alors après cela, a suivi beaucoup de choses sont passées, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de choses de non-dits et des paroles qui sont sorties, qui ont fusé dans tous les sens, et il y a une vague aussi de solidarité au niveau de la toile par rapport à son ancien manager. Et aujourd'hui, nous le recevons dans cette émission afin d'éclairer certaines zones d'ombre de tout ce qui se passe. On a vu des photos, on a vu des choses passer sur la toile, on a vu des soutiens, on a tout vu de tout cela. Alors aujourd'hui, nous l'invitons afin qu'il puisse donner son avis, nous donner sa vérité sur toute cette histoire. Le but, ce n'est ni de dénigrer qui que ce soit, ce n'est ni d'accuser qui que ce soit. Le but, c'est de faire la lumière sur tout ce qui se passe. Alors, dames et messieurs, aujourd'hui, nous recevons dans Fafa, spécialement aujourd'hui, DJ Congélateur qui nous dit sa part de vérité. Alors, bonjour... DJ Congélateur est dans les locaux du Voix TV Musique. DJ Congélateur. Ouais. Bienvenue dans Fafa. On te parle. Ouais, bonjour, papa. En fait, DJ Congélateur, tu es dans quel monde, en fait? J'ai l'impression que des fois, il est à l'ouest. Ouais, un peu à l'ouest, parce que tu perds le nord. Congélateur. Ouais. On ne dit pas. On ne dit pas. Yeah. On disait. Pratiquement. D'accord. Il dit tout va bien. Tout va bien. Bon, alors, Chola, apparemment, aujourd'hui, on reçoit effectivement DJ Congélateur. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave, mais il n'est pas seul. Ouais. Il est avec... son nouveau manager. Non, il va se présenter à nous. Voilà. Il a des dreadlocks. Bon, les sirènes. Un nouveau style encore, les sirènes. Bon, manager, oui. Comment ça va? Ça va super bien. Alors, quel est le nom du nouveau manager de DJ Congélateur? C'est Whitey. Whitey. Whitey, tu vois Whitey? Bon, c'est un secret qui est donné par les amis. Tu es plus clair de peau, donc tu es gentil, ingratable. Voilà. Mais en plus, tu ressembles un peu à Bob Marley. Hein? Voilà. On t'a déjà dit? Oui, beaucoup de personnes. Ouais, dit, ouais. C'est pas seulement à cause de l'ox, mais oui, tiens. Oui, les traits du visage. Les traits du visage, un peu style Bob Marley. Ouais. Alors, Whitey, bonjour. Bonjour, et bienvenue. Merci. Sur Ivoir TV Musique, dans Fafa. Ouais. Comme je l'ai dit tantôt, l'heure est grave. Parce que bon. On assiste à la chute de DJ Congélateur. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Hein. Ici, on n'est pas dans les faux semblants. Il est en chute libre. Voilà. Et aujourd'hui, tu apparais comme étant son nouveau manager. Déjà, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Bon, DJ Congélateur, c'est une histoire de plus près de 3 mois en arrière, 3-4 mois en arrière. D'accord. Donc, c'est récent. Voilà, c'est récent. Et puis, bon, je voulais rectifier un truc. Je pense que l'artiste n'est pas en chute. Voilà, ce qui se passe sur les médias, sur les réseaux. Il y a d'autres personnes qui soutiennent l'artiste en sourdine, voilà, qui ne veulent pas trop se montrer. Voilà. Leur position. Voilà, leur position. Et puis, l'artiste aussi est en train de préparer beaucoup de projets. Voilà, aujourd'hui, on se concentre plus sur la carrière de l'artiste. D'accord. Pour essayer de convaincre les Ivoiriens. Mais est-ce que le fait que, je dirais, pas tous les internautes, qu'une partie, une bonne partie des internautes traite l'artiste d'ingrat, est-ce que cela ne peut pas jouer ou influencer sur sa carrière à venir? Bon, c'était le début de l'histoire. Aujourd'hui, mais je peux vous rassurer, vous pouvez aller sur la page de l'artiste, DJ Congélateur original. Les commentaires ont changé, il y a plein de choses depuis nos sorties, nos différentes sorties sur les médias. Congélateur. Voilà. Mmh. Donc, je pense que c'est le travail seul qui peut mettre encore la confiance dans le cœur des Ivoiriens. Dans le cœur des Ivoiriens. Voilà, le travail seul qui peut mettre la confiance dans le cœur des internautes. Voilà. Bon, moi je dirais, Chola, tu es d'accord avec moi que je dirais qu'on assiste aussi quelque part à un contre-pouvoir. Mm-hmm. Un contre-pouvoir dans quel sens? On a connu Congélateur avec son manager, l'ex-manager, manager confirmé, avec qui ils ont fait un bon bout de chemin. Ouais. Aujourd'hui, il y a une distorsion, ils ne sont plus en odeur de sainteté, ils sont pratiquement séparés. Et même tout à l'heure, j'ai assisté à Einstein qui m'a démontré que vraiment c'est la grande brisure. Ouais. Et aujourd'hui, manager confirmé, il a des futurings.
et il vient en grosse voiture. Notamment avec kérosène. Et on lui offre des terrains, ouais. On lui offre des séjours dans des hôtels de luxe. Voilà, il y a des gens qui lui donnent de l'argent. Ouais. Ça vient de Paris, ça vient de partout. Ça fuse de partout. Voilà, mais pendant ce temps, il n'y a rien de tout ça du côté du congélateur. Mm-hmm. Est-ce que ça ne crée pas des frustrations? C'est en cela que je parle de chute libre. Voilà. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de fans des DJ congélateurs, okay, qui l'aident en sourdine, okay, qui ne veulent pas s'afficher. Okay, ils nous appellent directement depuis qu'on a créé la page. Ça peut être aujourd'hui, je crois, une à deux semaines. D'accord. Voilà, qui l'aident, qui l'appellent, qui causent souvent même avec des internautes depuis les États-Unis. Voilà. Et puis bon, je peux dire que c'est la vie. C'est la vie. Voilà. Okay. Arrivé à un moment, chacun a sa part de chance. Mm-hmm. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est le moment pour manager confirmer. Mm-hmm. Voilà, mais l'artiste aussi, là, il travaille dur pour remonter très vite. Voilà. Alors, nous allons dans directement à congélateur chaud là. Oui. L'artiste est là. Congélateur, ouais. On ne dit pas. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Ok, mais on voit que tu as toujours la forme, hein. On voit que tu as toujours. Fais-nous un petit. Il a le moral, voilà, hein. Fais-nous un petit a cappella improvisation rapidement, voilà. Quoi, voulez-moi élire un dernier? Permet. Eh, population de. Il va te venir, écoutez ma sans guitare. Permet. Quoi, voulez-moi élire un dernier? Si tu veux, on me l'incite, mais il ne parle pas. Parce que regardez le visage de Dieu. Voilà. C'est Dieu qui va parler pour moi. Moi, quand j'ai la tête, il ne peut pas parler dans ma vie. Il voit tes bénis, il me dit, il me dit, il me mon parent. Depuis que j'ai commencé les mélodies, j'ai commencé mon nom parfois. Mais j'ai vu que mon nom, il a resté en bas. Je sais que tout là, c'est l'esprit. C'est les démons, c'est les diables. C'est les diables qui voulaient rentrer au milieu pour garder mon travail. Les gens, ils sont méchants. Elle s'est levée pour me chiter bien. Mm-hmm. Il me laisse. Moi, il fait comme il n'entend pas. Il fait comme il y a caillou là-bas, mm-hmm, mais il ne peut pas parler. Je sais que Dieu n'a pas parlé pour moi. Aujourd'hui, il est venu battre mes yeux pour inciter mes enfants. Ok. Merci, congélateur. Vraiment, sans que tu abordes sur le cas, je vais un peu résumer la chanson. Ouais, bah, il dit que les gens gâtent son nom, les gens l'insultent, tout le monde se permet de le dénigrer. Mm-hmm. Mais lui, il laisse pour lui à Dieu. Parce qu'il a confiance en Dieu. Okay. Il sait qu'un jour, la vérité va sortir. D'accord. Voilà. D'accord. C'est ça, mon congélateur. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Mais congélateur, en parlant de vérité. Quand ça dit, je vais avancer. Oui. Si tu veux la pour m'inciter, mm-hmm, pour faire tout, mais moi là, il fait comme il y a caillou là-bas. C'est moi qui chantais mon son. Donc on dit là, il y a beaucoup de cailloux dans mes oreilles. Mm-hmm. Si tu veux promener mon nom, c'est levé par le coin. Moi, il attend, mais il est si tranquille. Il laisse pour moi dire. Toi, là, t'es moi, yo. Je dis, hein, manager a confirmé là. Aujourd'hui, on va se parler à cœur ouvert. N'est-ce pas, des pas? C'est ce qu'il faut. Whitey, on est d'accord avec le principe, hein? On va se parler à cœur ouvert, c'est papa. Ouais. Ici, on n'est pas dans les faux semblants, les faux fuyants, nous, on ne connaît pas ça. Mm. Ton manager a confirmé. Mm. Il allait te chercher à Bodoko, n'est-ce pas? Bon. C'est pour lui, tu es venu à Abidjan. Bon, il dit merci à Ivoire TV Musique. Écoutez mon parole. Voyez moi quand j'ai raté, il n'est pas fouté. Si tu travailles avec moi là, il faut bien prendre moi comme il ne faut pas me laisser tomber. Et puis, il ne faut pas te faire défaut dans mon travail. Si tu fais défaut là, et puis ça me fatigue. Et puis moi là, ici cadre, ici chrétien. Et puis tu fais défaut, et puis tu fais grand cœur. Tu chauffes, on dirait un championnat de moto. Et puis moi là, et puis il est dégracé toi. Tu vois, non? Il a trop chauffé. Donc moi, il voit qu'il a trop chauffé.
moi, tout mon corps est chaud. Donc, moi-même, il est déclassé en même temps dans sa main. D'accord. Mais moi, je veux savoir, madame, j'ai décroisé parce que l'affaire est compliquée. Je dis, manager là, c'est lui qui t'a envoyé à Abidjan, oui ou non? Parce que tu n'as pas encore répondu à ma question. Bon. Il y a encore au bas avant. Maman, il est venu à Abidjan ici il y a longtemps. Ok. Premier, c'est Saïa Rodolphe et Amsokro. Là, tous les artistes de Baouli, c'est lui qui m'a dit. Il s'appelle Saïa Rodolphe, c'est lui qui m'a envoyé à Abidjan. Moi, mais on a reconnu Abidjan, mon propre. Donc, les maladies bizarres, la coronavirus, voilà, quand il est venu, et puis les bons, Saïa Rodolphe dit. Bon, quand la maladie est là, donc on dit, si tu as pris enfant des gens, voilà, quand la maladie est là, il faut les faire partir, quand la maladie passe, et puis il l'envoie dans ta main encore. Bah, on ne sait pas qui c'est. Il va rester dans ta main, et puis la maladie va rentrer, et puis il a touché enfant des gens. Et puis toi, tu as eu problème. Ils vont dire comment tu as pris lui. Donc c'est toi, tu as. Donc, mon sœur, donc, il m'a envoyé mon Bodokro. Donc, du quand il m'a envoyé mon Bodokro. Et puis, maintenant, tu as confirmé. Maladie est passée, il est parti prendre moi. Il est parti faire prestation là-bas. Avec les Azaro DJ, avec les artistes Baoul, beaucoup d'artistes Baoul, il est parti là-bas. Donc moi, lui, il est parti faire prestation là-bas et c'est la prestation là-bas qui t'a vu. Il t'a rencontré. Donc, moi, il m'a vu. Donc, chez moi, chez où il habite là, il s'appelle Pergola. Pergola. À l'hôtel de Pergola, Bodokro. C'est là-bas qu'il dort, c'est là-bas qu'il habite. Et puis, c'est là-bas. Ils sont déplacés, c'était là-bas, ils sont déposés les bagages. Tu vois, non? Donc, ils ont dormi là-bas trois fois. Donc, un jour, moi, il dit, bon, tonton, bon, moi, je veux que vous n'avez qu'à m'aider. Par exemple, j'ai allé là, ils voient que vol non mort. Donc, vous n'avez qu'à, quand vous allez partir à Abidjan, vous n'avez qu'à me faire partir. Donc, il a parlé. Donc, il dit oui, mais ils ne sont pas me dire qu'ils sont contents. Donc, maintenant, j'ai confirmé, il est parti sous quand il est fini. Un jour, Bodokro m'a dit qu'on me cherche. J'ai dit, tu me cherches. Il voit maintenant qu'il a confirmé, il a arrêté avec son moto. Il me dit, il faut monter. Il a monté. Il dit, allons voir mes parents d'abord. Il dit, non, il ne veut pas. Ah, il dit, il faut monter en partie. Il dit, tonton, il ne connaît pas moi, mais il ne faut pas t'appeler ma tête. Il dit, de monter forcé là. Monter forcé là. Il va perdre ma vie, quoi. Donc, il monte derrière lui. Donc, il est parti, mais fais zoukan. C'est ça, moi, mais aussi intéressant. Et puis, il dit, maintenant, j'attends qu'il prend moi là. Mes parents n'ont pas vu dedans. Donc, comme on était déjà allé en voiture, tu dis que tu ne vas pas. Donc, tu as fait mon jour quand on a eu beaucoup d'argent. Allons, je te fais monter mes parents. Et on part en Simé. On te salue mes parents. Et puis là, vous tombez d'accord là-bas, tu peux prendre moi pour venir. Donc, on est fait partie. On est venu. C'est lui qui m'a envoyé à Abidjan. D'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, après ça, c'est vrai qu'on a connu Congélateur avec son succès et tout. Après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Toute la toile a été affolée pendant un bon moment. Avec toutes ces scènes, toutes ces choses. Aujourd'hui, Congélateur, mais personnellement, qu'est-ce que toi, tu reproches à Manager Confirmé? Qu'est-ce qui t'a fait et puis ça te fait mal? Et puis au jour d'aujourd'hui, tu ne veux même pas sentir Manager Confirmé. Bon, moi, ce qui me fait mal, quand il commence à travailler, quand il travaille, un peu de temps, son cœur est chaud. Un peu de temps, son cœur est diminué. Pourquoi? C'est, si tu veux c'est quoi la raison? La raison, c'est son cœur qui est chaud. Il a grand cœur. Et puis, grand cœur, il veut faire 6 mois. Moi aussi, il ne peut pas tomber d'accord. Mais on nous a dit que Manager a confirmé, tu as déjà porté mal. Il te frappait. Il veut frapper. C'est ça, il parle pour venir là-bas écouter. Il veut faire grand cœur à 6 mois. Moi aussi, il ne peut pas tomber d'accord. Moi, il ne peut pas prendre chien. Il ne peut pas prendre chien d'or, c'est moi. Il fait tout là-bas. Et puis il vient me dire, moi, il ne peut jamais faire ça. Vous comprenez? Il ne peut jamais faire ça. Non, on ne pas. C'est lui qui n'est pas. Même si toi, tu prends chien, il vient dormir chez toi. Il est nourri, il est blanchi, le chien est mort. Tu viens mourir, ma vie. Il ne peut pas supporter. Je suis d'accord avec lui. C'est pas lui, il m'a venu dire que quand j'étais, il prend son pour mettre dans ton cœur, tu as chanté. C'est moi-même qui ai pensé, quand Dieu m'a dit que mon fils, quand tu es malade, il y a boss qui t'es fatigué, tu ne grandis pas, tu ne petis pas, toute ta grâce, tes fétis, ils sont grandis que toi. Donc tu es travaillé là, il faut travailler. C'est ça, moi, j'ai commencé, j'ai mon guitare dans ma main, j'ai commencé, et puis chanter des gens, il m'a vu mon petit. Pour faire venir à Abidjan. Guitare que tu as, quand tu es venu à Abidjan, tu es venu pour quand tu as laissé au village, tu as agité là.
Non, les volets là, ils sont mangés. Qui a mangé? Un volet. Moi? Un volet, on me dit. Les petites bêtes là, qui mangent le bois là. Ils ont mangé le bois là. Ils ont mangé la guitare. Ils ont mangé. Pourquoi la guitare? Quand j'ai dans la maison là, il réveille. Quand j'ai dit. Il attend là-bas pour nous évader de garder. Moi, mon frère qui mangeait, moi. Son mari, mon pantalon là à côté. Bon, congélateur. Congélateur. C'est pas les saucisses que vous voulez dire, mais t'as guitare. Ah, il y a ça aussi. Bon, c'est pas les saucisses, c'est le diable. Baïfoué. Baïfoué. Voilà, les baïfoué. C'est le baïfoué que vous voulez dire, mais t'as d'accord, congélateur. Mais congélateur, on a eu des informations comme quoi tu avais fait certaines révélations concernant ton ex-manager. Il n'a pas fini de parler. Attends, c'est nous qui posons les questions. Voilà, vous me posez. Tu as affairé aussi. Donc, on dirait que tu attendais l'émission et tout. On ne le reçoit plus partout. Actuellement, là, ils l'ont fermé. Donc, c'est ici, on lui a ouvert une lucarne. Il va tout verser. C'est, on est prêt pour ça. Tiens pas, moyo. On dit que vous êtes allé à la PJ, n'est-ce pas? Moi. Non, non, réponds-moi. Vous êtes allé à la PJ, oui ou non? Oui. Et vous êtes allé faire quoi exactement à la PJ? Tu allais déposer une plainte contre le manager? Il allait prendre compte de Vassili. Okay. Avec. Motif de la plainte, c'est quoi? Pourquoi tu allais faire la plainte? Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a fait quoi? Pourquoi tu as porté? À part le chef de poser une plainte contre lui. Bah, il y a autre chose qui est peut-être plus grave que c'est ça. C'est quoi le motif de la plainte? Bah, il me frappe et puis il me tape on dirait tata. Coup et blessure. Non, il y a pas blessé. On dit le motif c'est coup et blessure. Donc tu allais déposer plainte parce que le manager te frappe, c'est ça non? Oui, il me frappe. Et puis quand il me frappe, il y a preuve qu'il te frappait. Il me frappe on dirait. Quand lui il a grandi là, son autre garçon il a grandi comme lui. C'est ça il fait par rapport avec lui. C'est vrai que toi t'es petit et puis il fait par rapport à toi comme s'il est gros. Il te frappe comme il frappe son petit frère. Il frappe comme Pilon. Pilon il a frappé photo ballon. Tu es sûr de ce que tu avances? Ah, je dis si. Il y a des preuves. Non, parce qu'il rit là, ça fait ça. Il me frappe. Oui, mais est-ce que tu as des preuves? Il y a une vidéo qui prouve qu'il t'a frappé. On a vu des séquelles sur ton corps. Quand il frappe là, il filme pas des. Non, toi-même tu vas filmer. Mon portable là, il n'y a pas de piste dedans. Il n'est pas moins piste. Sans portable, d'ici, il a mis piste. Il a appelé maman, mes parents. Maintenant, tu allais déposer plainte à la police judiciaire, enfin à la DPC maintenant, pour dire que manager a confirmé te frapper. Et il y a un autre aspect qui nous interpelle, nous. Il paraît que tu allais dire là-bas qu'il a des rapports sexuels avec toi. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on y est là? Est-ce que vous deux vous couchez ensemble? Bon, il fait ça moi il voit. Mais à cause de ça, il fait ça moi il voit. Chaque jour il fait. Ouh. Moi il les regarde. Dans la maison qu'on donne là. Il fait pas à toi. La nuit là. Il fait ça avec qui? Après il m'assoit. Il commence les danser. Si les danser là. Moi danser ça s'appelle Petit Jésus. Petit Jésus. Et lui n'a pas parlé. Le petit danseur, il n'a jusqu'au jour il dit rien, il parle pas. Hein? Et puis c'est pas les, il n'est pas laissé plein. Moi, il voit, mais il ne parle pas. S'il veut parler là, il va me frapper. Donc, il est prêt pour parler. Donc, forcé, il fait toujours. Moi, il n'est pas ça. Ici, c'est un chrétien. Quand il fait comme ça, là, ça peut gâter ma vie, ça peut gâter mon travail. Mais les danseurs dont tu parles là, ce sont des mineurs, ce sont des jeunes, ou bien c'est qui les danseurs? Ce sont des jeunes. Comme toi. Hein? Moi, c'est génie. Je suis génie. Donc, il avait commencé à coucher avec les danseurs. Aïe, maintenant, et toi, est-ce que lui et toi, vous avez eu des rapports sexuels? Bon, moi là, il n'est jamais vu ça, mais un jour là, moi je dormi là, donc, quand on dort là, quand il fait chaud dans la chambre là, déjà on n'est pas climatisé, on n'a pas ventilateur, il fait chaud, donc on enlève le pantalon là, ça reste à ton caleçon. T-shirt. Ton caleçon. C'est pas caleçon. T-shirt, le débardeur. Ça reste ça, voilà, chocolat. Et puis, quand à partir de 21h, et puis quand il fait là, il met son, il met musique, il y a nos postes là-bas, il met son, et puis il dit, il est là, écoutez la parole de Dieu. Quand il met son là, il est là, joué, et puis il était tout le courant. Même parce qu'il est là, joué là, parce qu'il a une petite coin, il prend siphon, il prend pour fermer lumière là, et puis maison là, quoi. Moi, chaque jour, il fait voir. Même aussi, il est portable, mais dans le noir, là, on filme quelque chose là. Il filme ça même. Il filme ça que les gens, quand ils peuvent parler, les gens peuvent croire. Donc, tu as des vidéos de manager confirmé en train de coucher avec un danseur. Il dit, si
Il y a... Il dit s'il avait un portable. Ouais. Ah, si tu en avais. Il y a un portable, mais s'il y a mémoire dedans, là, tu allais filmer. Et puis on filme dans noir, là, ça prend, là, et puis filmer ça. D'accord, congélateur, mais tu ne réponds pas encore à ma question. Ma question, elle est simple, nette et précise. Je dis, est-ce que Mana déjà confirmé a eu des rapports intimes avec toi? Oui ou non? Il peut faire un mois. Non, tu ne me réponds pas, congélateur. Écoute. Il a fait ou il n'a pas fait. On va pas tourner autour du pot. Est-ce que on y est là? On y est là. Vous avez eu des rapports sexuels? Il a couché avec toi? Il n'est pas me couché, mais il a fait. Oh, il dort là-bas, là, il partait faire là-bas. Tu vois là? Mm-hmm. Il a fait moi. Il fait nous tous. Hein? Moi, donc, il va créer. Moi, donc, il va créer. Très chers téléspectateurs d'Ivoire Télé Musique, ce que Congélateur veut nous faire comprendre, c'est qu'effectivement, Mana déjà confirmé a eu des relations intimes avec lui, et pas qu'avec lui, avec aussi ses danseurs. Ses danseurs. Bon, on a vu, voilà. Chola, on a vu aussi dans les déclarations, on dit, moi, il a dit, c'est ce que le sultan a dit qu'il s'est confié à lui. Lolo Moté aussi a fait des sorties, et les gens aussi ont fait des sorties. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase, de quelque chose qui est en train de se passer. Le milieu artistique est un milieu rempli de beaucoup de vices et rempli de beaucoup de choses que nous savons. Exactement. Bon, Mana a confirmé aujourd'hui, hein, il est publicité par tout le monde. On lui offre beaucoup de cadeaux, on lui donne des biens, on lui offre même des featuring. Et pendant ce temps, toi, on ne tourne pas tout ça. Pourtant, vous êtes connu grâce à toi aussi. On va dire, c'est vrai qu'il a fait pour toi, mais toi aussi, c'est ton nom qui a fait qu'on le connaît. C'est ça. Et toi, tu restes en marge. Alors, congélateur. Ouais. Nous, ici à Ivoire TV, on aime la vérité parce que nos internautes, ceux qui nous suivent, veulent la vérité. Mm-hmm. Et veulent savoir réellement pourquoi toutes ces choses sont passées. C'est ça. Mais quand tout ça s'est passé, depuis combien de temps? Pourquoi, dès le début, tu n'étais pas plein? Et c'est maintenant, aujourd'hui, que vous vous êtes séparés, que tu, maintenant tu parles de ça. Mm-hmm. Parce que quand ça a commencé? Parce que ça avait fait mal. Ok. Ça avait fait mal il y a longtemps. Il y a longtemps, ici, dans sa main, mais il chante, il voit rien, sans flamme, il ne voit pas. Il dit, il paie habit pour moi, c'est pas lui, c'est il paie habit là. Les gens me viennent quand donner habit cadeau à moi. Mm-hmm. Les gens me chargent, il la paie. Il prend moi pour aller prendre habit. Mm-hmm. Mais lui, il dit, il paie habit. Ou bien, habit qu'il paie là. C'est habit, il ramassait les tricots à Jamil là. Mm-hmm. Et puis, il dit, il paie habit pour moi. Tu vois, non, il m'habille pas bien. Et l'artiste là, il a la, son nom est partout. On l'habille bien. Donc, tout ça, quand il pense à, il peut y voir rien. Les jours, un jour, on est parti chanter dans. Par exemple, on habille Yopougon, il y a un bar qui est à côté de nous, on est parti chanter là-bas. Il est chanté, il a eu l'argent. Donc, il est caché demi. Tiens, maintenant, j'ai avis, il a vu qu'il est caché demi. C'est là-bas, mais il a vu qu'il mange les méchants. Il a pris demi là, il dit que pourquoi il a pris demi là, de donner demi là. Il dit, ah, il a merci, moi, un peu. Il dit de donner demi là. Il dit, donne pas. Il va acheter maman, je suis en bas de maman. Mm-hmm. Il a pris, il a rassé demi là dans ma main. Tu vois, non? Moi, je ne touche pas l'argent. C'est lui qui touche. Donc, quand il voit quoi là, moi-même, c'est intelligent. Il voit que mais il ne parle pas. Il chante seulement. S'il dit, Odile, il est malade, il dit, allez chanter. Il dit, Odile, il est malade. Il dit, il a été donné le médicament tout à l'heure, il a parti dans l'avion. Il dit, bon, Odile, il ne peut pas partir, il est trop malade. Il dit, non, tu as parti, il a été donné le médicament, tu as passé tout à l'heure. Il me donne le médicament et puis on s'en va. Il est parti crier encore. Un jour là, dans deux jours, il est tombé malade. Non, pas, il chante dedans seulement. Il dit, malade, mais il chante dedans seulement. Tu vois, non, tout ça là, quand il pense à. Il dit, là. Pas, il charge, mais moi, il fuit dans sa main. C'est pas un jour seulement là, il fuit, puis mes chers ne voient pas moi là. Charge, mais il fuit. Il est parti me chercher, tout quand il me trouve. Il fuit encore, parti me chercher, tout quand il me trouve. Pas, il n'aime pas son comportement. C'est pas manager, quoi. Moi, c'est ça, il dit là, moi, il prend chien, il est nourri chien, et puis il dort chez moi. Et puis, viens me maudire, moi. Mais concernant les rapports sexuels dont tu parles, tu sais que c'est quelque chose de grave que tu c'est révèles. C'est de graves accusations que tu es en train de porter vis-à-vis de sa personne. C'est grave, tu vois. Après, c'est bien beau de dire que quelqu'un a des rapports intimes avec moi, mais. C'est pas les gens, les parties prennent moi. C'est moi-même, il a demandé la route à moi, et puis il a pris son position. Et puis il a vu l'artiste, tous les artistes découpés de Cali, là. De comment là, le président de. Tous les artistes découpés de Kaila. Mm-hmm. Il est venu et dit, papa, il faut m'aider. Il souffre, on dirait, pour un bête sous la bouche des poulets. Il faut m'aider. C'est ça, il m'a aidé. Mm-hmm. Tu vois, non? C'est pas les gens. Oui, mais quand même. Mais congélateur, les femmes, ce que moi je veux savoir, est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, congélateur se sent lésé? Voilà. Comme il a vu qu'aujourd'hui, l'étoile de Mana déjà confirmée est en train de briller et que lui, congélateur, voilà. Il est considéré
j'ai pas fini bébé, comme lui maintenant il est un peu considéré comme un pestiféré parce que tout le monde le fuit, tout le monde le ferme. Voilà. Moi, ce même... pas foutu, voilà. Est-ce que c'est pas parce que aujourd'hui Congélateur voit que sa carrière est menacée au détriment de manager confirmé qu'il fait ses révélations pour le nuire? Non, moi je suis pas d'accord avec vous. Vous non, non, je veux dire. Elle a posé une plainte, le petit a posé une plainte. Exactement. Depuis longtemps, elle a posé la plainte à la PJ. Ok, la plainte date de la convocation, c'est nous, on a refusé. La plainte date de combien de temps? La plainte date de, je crois, aujourd'hui, on avoisine d'un mois. Ok, et oui. C'était avant la séparation? Non, c'était après la séparation. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. En ce moment, il n'était pas encore lésé. Non, en ce moment, il n'était pas encore. Oui, mais est-ce que c'est pas parce qu'ils sont séparés que Congélateur ils se sont séparés à cause de tout ce qu'il est en train de raconter. Lui-même ne voulait même pas parler de ça aujourd'hui. Mais c'est ce que des familles disaient. Depuis la nuit des temps, tu as des rapports sexuels avec le gars, tu ne t'en es pas plein. Il abuse de toi. Il abuse de toi parce que je sais que tu dis que tu n'es pas consentant. C'est ce qu'il vous a dit plusieurs fois, il a fui. Plus de 3 ou 4 fois, il allait le rechercher. Mais est-ce que tu es obligé de venir? Parce que quand il va te chercher là, est-ce qu'il le menotte, il l'attache comme un poulet? Non. Jusqu'à ce qu'il trouve une solution avec le président des artistes, qui lui avait remis le numéro, son numéro dans le temps, après une prestation qui a dit, ah, le jour que tu sors de la maison, trouve comment tu vas m'appeler, venir te chercher. Cette histoire de Congélateur, excusez-moi, j'ai l'impression que c'est trop préparé en fait. Hein. Mmh. Ok, on est ensemble, ça va bien. Tu dis que le gars t'exploite. C'est pas la question. Mais ce qu'on a proposé, c'est la question. Nous, c'est qu'on n'est pas nous, nous, on est gagné rien. On est en train de. Oui, mais. Dans la souffrance d'un enfant. Mais après, voilà, c'est quelqu'un qui vit une situation très difficile. Il faut faire très attention à ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne comprends pas une chose. Si j'estime que quelqu'un, je suis dévalorisé avec cette personne-là, je fais des prestations que je ne suis pas rémunéré à hauteur de mes prestations, mais je m'en vais tout simplement. Mais tu ne restes pas là et on abuse de toi sexuellement, tu ne t'en plais pas. Et dès qu'il y a séparation, tu fais sortir tous les papos. Il y a Anguille sous roche. Et puis, ceux même à la DPC où vous allez déposer la plainte, là, ils ne sont pas stupides. Ils vont mener une enquête. Non, s'il s'avère qu'il y a un mensonge, ils l'ont entendu, bien sûr. Congélateur, tu m'écoutes? Je dis, c'est bien beau. Aujourd'hui, tu dis que manager a confirmé toi là. Vous aviez des rapports sexuels, d'accord? Tu n'étais pas consentant. Toi, tu ne voulais pas. Il voulait pas. Quand il faisait là, et toi là, est-ce que tu voulais ou bien il te forçait? Moi, il voulait. Ah, il voulait. Moi, il ne voulait pas. Oh. Il ne voulait pas. Mm-hmm. Il ne voulait pas. Pas un jour là. Il m'a levé là. Il dit lui dormait. Non, il dormait. Ah, il dormait. Et le gars est rentré. Il t'a donné des trucs. Des trucs. Il lui a donné des trucs. Que s'est réveillé là. Ok. Et ça s'est passé combien de fois? Plusieurs fois ou une seule fois? Moi, il ne va pas détendre. Moi, mais il est réveillé là. Et je veux dire, quelqu'un a des rapports sexuels avec toi, mais tu dois savoir. Il dit que le gars, en fait, je suis là, qu'est-ce qu'il explique? Il dit dans ses propos, hein, que c'est du genre, le gars lui donnait des trucs pour boire. Des drogues, on le droguait. Voilà, comme s'il était drogué. Et puis, Il ne donne pas drogué. Il te droguait quand il fait ça, là, il paie pour moi pour donner mon pommadé. Il paie pour moi pour donner tout le monde pommadé. Quand tu es pommadé, et puis ton test sort, et puis il dit que tu es joli. Il prend. Lui, il aime garçon, mais il n'aime pas femme. Vous ne comprenez pas ça, quoi, ça. Si vous doyez là, moi-même, je ne peux pas. Et dit, si on filme la nuit, moi-même, je vais fumer, témoin là. Là, quand il parle, quoi, il est monté, quoi. Moi, il faut. Il y a longtemps, mais on fait ça. Alors, Choula. Il y a longtemps, mais on fait ça. C'est pas bon. Ok. Congélateur. Moi, je veux les parler, mais si il les parle, comment il travaille avec lui, c'est mon grand frère. Congélateur. Il peut parler, mais. Il est là, fait là. Il a gâté mon travail. Est-ce que donc, c'est ça, il dit pour le congélateur. Un moment, il y a eu une tentative de réconciliation entre toi et manager confirmé. Il y a eu Tiesco, il y a eu Lolo Beauté. On a vu même la vidéo. Le quoi, Whitey, tu étais là aussi? Oui, bon. Bien avant de faire la vidéo. Cette vidéo qu'on a on a fait une rencontre. Une rencontre, voilà. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? On était avec. Qui est qui? Manager. D'accord, lui-même. L'un de ses danseurs, okay. Son voisin de chez lui, d'accord. Qui est un ami à lui, a été image tout le temps, un huissier, okay. Moi, Tiesco, le président des artistes, et puis l'artiste Landry Blessy. On était ensemble. D'accord. Et ils ont donné la parole à chacun d'exprimer ce qui se passe. D'expliquer ce qui se passe. Voilà. Le problème réel. Donc, moi, c'est comme moi j'ai entendu dans la bouche du danseur. Il dit effectivement, le danseur a reconnu. Qu'il le frappait souvent, il le brutalisait. D'accord. Lui-même l'a reconnu. Ok. Qu'il brutalisait l'enfant, mais il a dit
dans ses propos, il le brutalisait pour qu'il veut que l'enfant soit fort. Il veut que l'enfant sorte de lui. Genre, c'est pour le booster. C'est pour le booster. C'est pourquoi lui, le brutalisait, le frappait. Maintenant, le reste, on n'a pas parlé de ça là-bas, pour être sincère. Les rapports sexuels n'ont pas été évoqués. Toutes les accusations. Toutes les accusations, mais c'est à la PJ. C'est à la PJ que le rapport sexuel est sorti. Quand nous sommes arrivés à la PJ, ils nous ont dit de sortir. Ils sont restés avec l'enfant. Eux-mêmes, ils ont filmé. Il l'a écouté parler. Son audition. Son audition. Il l'a écouté. Il a dit tout ce qu'il avait à dire sur son cœur. C'est après, maintenant, nous avons fait le point. Okay. Ah, c'est eux qui vous ont fait le point. C'est pas lui-même directement. Lui, il a fait le point. Puis il a expliqué. C'était une chose comme ça, peut-être à Tiesco. À Tiesco, ouais. À d'autres personnes. Donc, comme eux avaient peur, ils ont dit bon, c'est mieux que tu as porté plainte. C'est mieux que tu aies expliqué au moins aux autorités. À des autorités compétentes. Voilà, parce que nous, on a été à régler ce problème-là. En même temps, Chola, moi, la question que je vais vous poser. Quand vous avez rencontré manager confirmé pour régler le problème, dans la deuxième phase de votre rencontre avec Lolo Beauté, Tiesco et tout ça, avec même le président, le jeune des managers et tout ça, est-ce que en face de manager confirmé, DJ Congélateur, a tenu ses propos-là pour ses propos d'accusation en face de lui? Lui dit ce que tu as fait, tu nous as fait ci, tu nous as fait ça, pendant dans votre présence. Oui, il a tenu les propos de la maltraitance, de la brutalité. Et les rapports sexuels, pour être sincère, on n'a pas parlé de ça. Mais donc, parce qu'on a dit que c'est une grave. Ouais. Donc, devant lui, il ne parle pas de ça, mais il en parle derrière lui. Donc, c'est pour ça que nous, on est un peu dubitatif. Parce qu'on se dit quoi? Est-ce que véritablement, il y a eu un rapport sexuel entre congélateur et manager confirmé? Parce que, comme je le dis, c'est grave. C'est de grosses accusations. Dire que quelqu'un a eu des rapports sexuels non consentis avec une tierce personne, c'est un cas de viol. C'est un cas de viol. Mais celui qui a vécu, donc lui, il explique ce qu'il a vécu, il explique clairement. Après, moi, je peux me lever pour dire Waïti m'a violé, mais est-ce qu'il y a des preuves? Mais lui, il explique ce qu'il a vécu, donc certainement, il a ses preuves. Donc, c'est au sortir de son audition. Il est responsable de tout ce qu'il dit. Il est au sortir de son audition à la DPC. Il s'est rendu à certaines personnes. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Est-ce que y a eu Nous avons donné un document. On l'a envoyé chez le procureur. Le procureur, ouais. Pour qu'on puisse l'interpeller. La procédure. Okay. Voilà. Mais c'est pour éviter tout ça avec les conseils, les appels, des parents et d'autres. Il fait ça là. Moi, un jour, ça vient dans mon kéké. Il m'a pris les gendarmes là. Il voit le soir quand on dormit là. Tout ce qui tu parles là, nous, les gendarmes là vont voir. Moi-même, ça vient dans mon cache. Un jour, il s'est levé quand il dit qu'il prend un gendarme. Il n'est pas parti. Un jour, il s'est levé quand il dit qu'il prend un gendarme. Il n'est pas parti. Pareil, quand il fait ça, il fait de lui pour parler. Mais il fait seulement. Et puis, moi quelqu'un travaille avec moi, là, il fait ça. Là. Quand il dit à Clé, dans le monde entier, il a dit que c'est un garçon qui tient une femme. Il n'est pas dit qu'il. Moi, ils ont parlé ça à Bodoko là-bas. Ils ont parlé ça à l'église. Moi, il n'est pas comprendre. Il est vivre. Mais quand on voit ta maman invitée sur un plateau de télé qui supplie le congélateur de venir te rechercher pour te prendre pour aller retravailler avec toi. Et elle, on voit aussi le congélateur qui va la. Et comme la manager confirmé, qui va la voir. Moi, il n'est jamais vu ça. Lui-même, la fois, bien avant que sa maman arrive à Dijon. D'accord. Il est au village. Ok, oui, il était au village. Nous, on l'a aidé à aller au village. On a eu une saison qu'il envoyait même au village. Okay. Là où il vit présentement, là, sa grande soeur, même mère, qui était avec lui au village, qui est venue, c'est elle qui vient lui présentement. Et voilà, donc sa maman, ils étaient au village ensemble. Je ne sais pas comment ils ont organisé. Et pendant qu'ils étaient au village, quand lui rentrait, Malaja a allé là-bas, a dit à sa maman de faire une vidéo pour dire que la dame. À ce moment, il fait la guerre des gens. On dit qu'il fasse une vidéo, qu'elle fasse une vidéo. D'accord. Pour qu'elle reconnaisse que l'enfant est toujours avec lui. D'accord. Ça, c'était dans les débuts. C'est comme ça, il ne sait pas. Tellement, je ne sais pas s'ils l'ont brutalisé. C'est comme ça, lui, qu'il l'a interpellé à la gendarmerie. Là-bas, pendant qu'il était là-bas. Ah, il l'a interpellé lui à la gendarmerie pendant qu'il était là-bas. Voilà. Ok. Ça, on ne savait pas. Hein. Ouais. Donc, aujourd'hui, face aux accusations de congélateur. Vis-à-vis de la personne de manager confirmé, est-ce que le concerné, l'accusé, a réagi? Est-ce qu'il a cherché à rentrer en contact avec lui pour essayer d'assainir, enfin d'aplanir les choses? Moi, je vous explique un truc très clair. Quand on a fini de régler à l'amiable la première histoire, la seconde phase, il est arrivé. Je l'ai donné pareil qui, avec une marque de boisson qui les a sponsorisés à 1,2 million, je crois. Maintenant, il a essayé de régler. Maintenant, il a appelé le manager, il a appelé l'artiste. Bon, comment tu veux que vous continuez le travail à nouveau? Lui, il a demandé qu'il voulait 50%
de ce que lui gagne. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Oh, normalement, ce qui est normal, c'est 25%. Mm-hmm. 25 à 30%. C'est 25 à 30%. Ouais. Manager et artiste prend le reste. Ouais. Lui, il a exigé 50%. Donc, avec 50%, on a dit, ok, on va envoyer un huissier et un avocat pour être témoin de ce que tu veux, vu que tu es comme son producteur. C'est toi qui allais le chercher, tout ça. Donc, on l'accepte. C'est que nous, on veut que tu travailles avec ton artiste dans la tranquillité. À notre grande surprise de l'année, c'est pas qu'est-ce qu'ils lui ont donné comme conseil. Ils sortent une chaîne de télé, vous dites, ils ne travaillent plus avec oui, le petit. Oui, c'est ça, on attend. Parce que dans le contenu du contrat, c'était dit que le petit voulait plus vivre là-bas. Dans les clauses du contrat, pardon. Il ne voulait plus vivre là-bas à cause de tout ce qu'il vivait. Okay. Parce qu'il est traumatisé. Je vous assure tout à l'heure, mettez-le là, quelque part ici. Et puis ouvre une porte, j'avais pas fui. Tout en vous êtes sur une scène. Le petit est traumatisé. Peut-être les gens n'ont pas encore compris, mais peut-être il veut d'autres preuves. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas comment il vivait là-bas. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Non, parce que je t'explique une chose. Mm-hmm. Chez nous, ici, dans Fafa, on se met un peu dans la peau des internautes. Mm-hmm. Quand on voit la situation, hein, avec ce qui se passe, à la séparation du manager confirmé et congélateur, on voit qu'il y a une vague de solidarité vis-à-vis des managers confirmés. Vu d'une sorte d'humiliation. Parce qu'il y a une image, je dirais, mm-hmm. qui est passée sur les réseaux sociaux où on voit manager confirmé qui est à genoux devant. Voilà. Moi, je lève mes mains. C'est pas tout, on peut dire. Si vous voulez, après, je vais vous envoyer parce que les gens. Lucien a demandé de ne pas filmer mm-hmm. la rencontre. Il a été le seul à filmer et enregistrer tout le monde. Dans la vidéo, et pendant qu'on était là, on a demandé, manager confirmé, qu'on a fini de parler, voyez le petit qui est là. Il s'est levé, il dit va aller vers le petit, lui demander pardon pour reprendre. Donc il s'est levé là, aller vers le petit. Il voulait se mettre en genoux. Moi-même dans la vidéo, quand vous allez regarder la vidéo, il a dit ne te mets pas en genoux, le voici ici. Est-ce qu'on a demandé à Maya de se mettre en genoux? Non, c'est lui. On dit ne te mets pas, il dit non, c'est mon fils, c'est moi, il a envoyé le mettre en genoux. Et il s'est mis en genoux. Il dit mon artiste. C'est dans ça, c'est son danseur. C'est son danseur maintenant. Il a pris la photo et balancé sur les réseaux. Et c'est cette photo là aujourd'hui qui est discrédite devant les gens. Justement, comme si on lui a mis des trucs. Tu sais, Maya, son manager Whitey, ton nom Whitey. Whitey, tu sais, les gens se basent sur ce qu'ils voient. Sinon, on lui a pas demandé ce qu'il met en genoux. On va y arriver. Tu sais, et dans Fafa, on est là aussi pour faire comprendre, pour mettre la lumière ouais. sur tout ce qui est sombre. Donc, c'est la lumière. Voilà. Ouais. La photo. Mm-hmm. Donc, cette rencontre et cette photo a été prise par manager confirmé. Voilà, l'un de ses danseurs. C'est l'un de ses danseurs qui a fait cette photo. Voilà. Okay, celui qui était là ce jour pendant la rencontre. Et qui a balancé la photo sur les réseaux? C'est le danseur. Parce que nous tous, nous, dans son téléphone, ils ont pris. Pour moi, pour tout le monde, c'est lui, c'est ceux qui avaient l'exclusivité. D'accord. Donc à la fin, c'est pas comment le danseur est sorti, comme s'il était ruiné. En revenant, il est en train de demander pardon à son petit. Il s'est mis à genoux. On dit, non, mais il a dit, on ne se met pas en genoux devant l'homme. Mm-hmm. Fais ça, assieds-toi. On a fini de régler. Donc c'est à la fin, il s'est levé et allé. Pourquoi j'insiste. Je sais pourquoi j'insiste. Ouais. Parce que c'est cette photo aujourd'hui qui a déclenché voilà exactement. Parce que cette photo, elle exprime quoi? Elle ouais. exprime un homme. Écoute oui. bien ce que je te dis. Claire. Cette photo, elle exprime un homme hein, mm-hmm. qui, malgré tout ce qui se passe, se met à genoux devant un autre homme mm-hmm. pour lui demander pardon. Mm-hmm. Mais ça dit. Mais voilà, mais ça dit d'homme de côté. Et derrière ça, on voit un refus de pardon. Et les gens voient des personnes avec. Toi, tu vois? Justement, non. Les gens voient des personnes avec Nouveau Star, avec Tiesco, avec Lolo Beauté, autour et tout. Et on voit comme si vous êtes tenté de humilier les gars. Alors que c'est faux. Oh, c'est ce qui est. C'est le contraire de ce qu'ils voient. Mm-hmm. On ne lui a pas demandé de se mettre en genoux. Il a fait son propre gré. Il s'est levé, s'est mis en genoux. Il dit c'est son fils. Donc tu penses que c'est un acte prémédité. On ne veut pas dire prémédité. Je ne sais pas si on doit placer le mot là. Vous avez été piégé. On a été piégé. Mais c'est cette photo que tout le monde utilise. Voici la victime. Voici celui qui a subi les matins. Voici celui qui a subi des choses. Il a été violé. Qui a fugué plusieurs fois et la dernière fois mm-hmm. jusqu'à ce que nous on vienne vers lui. Mm-hmm. Moi-même, c'était vraiment, je n'étais pas venu, j'étais venu pour régler. Mm-hmm. C'est pourquoi, quand il a dit qu'il voulait les 50%, vous avez entendu mm-hmm. Il ne devait même pas même aller à la télé maintenant, il travaille. C'est quand il dit qu'il ne travaille plus à lui. Voilà, maintenant il a balancé la photo. Voilà. Donc, les gens ont demandé pardon, je n'ai pas réussi à faire. Qu'il était humilié, ils ne l'ont jamais humilié. On lui a donné toutes les conditions possibles. Pour qu'il reprenne l'enfant. Maintenant, ce qui paraît, j'ai entendu aussi dire dans votre staff que la chose qui a fait que manager confirmé a décidé de ne plus travailler avec congélateur, c'est le seul point où
vous avez décidé, et que le congélateur a décidé de ne plus vivre avec lui. Il dit de ne plus vivre avec lui parce que quand il vit avec lui, il souffre, on le maltraite, on le frappe, il le brutalise. Et c'est à cause de ça son mari. Donc il dit de ne plus rester avec le mari, il peut travailler avec lui. Mais il ne vit plus ensemble. Donc on a fait venir sa soeur, car une petite maison, va rester avec sa grande soeur. C'est le fait que lui a décidé de ne plus vivre avec lui, c'est ce qui a voilà. Dérangé le fait que lui. Lui dit forcément il va dormir avec lui. S'il ne vit pas avec lui, il ne travaille plus avec lui. Okay, donc c'est ça la condition sine qua non. Voilà. C'est si il refusait. Sine qua non, ouais. Sinon, on s'est entendu. Et la veille même où il a fait le plateau télé, oui. Il était avec nous. Il est venu même avec son nom dans le plateau télé, comme vous regardez. Ils ont interviewé un monsieur un peu gros qui l'a fait passer pour son oncle, qui est au village, qui est venu. Tout ça. Ils étaient là, on a fait la réunion ensemble. Alors, dames et messieurs, nous dans cette émission, nous avons un but, un objectif, c'est de mettre la lumière sur tout ce qui se passe. Exactement. Nous posons des questions. On ne prend pas parti. Nous posons des questions dans la pensée des gens, ce qui se passe. Comment les gens voient les choses, parce que toute chose, on juge en fonction de ce qu'on voit. Mais tout ce qu'on voit n'est pas forcément ce qui est. Donc, à travers ça, nous, on essaie de mettre la lumière pour comprendre, afin que tout un chacun de tous ceux qui vont suivre cette émission puisse tirer sa propre opinion de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons un cas. Nous avons l'artiste DJ Congélateur qui est venu en grande pompe à Ivoire TV, juste après ça qu'il y a eu un boom. Et là, on voit beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Alors, aujourd'hui, on va dire que Manager Confirmé aussi a pris sa place et sa part de star. Il a des gros featuring, son heure de gloire sonnée, comme on le dit en ivoirien, son bim. D'accord. Ok, mais dans ce bim là, hein, il y a ce que moi j'appelle une jonction contradictoire. Parce que le bim vient d'une situation bien donnée et bien définie. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce bim en train d'agir sur la carrière de DJ Congélateur. Vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est pour ça que j'ai quelque part, il est lésé. Il se sent lésé. Voilà. Il voit que la roue a tourné. La roue a tourné. En faveur de manager confirmé. Maintenant, parce que les Ivoiriens ont considéré ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils n'ont pas regardé dans le fond. C'est à vous maintenant d'apporter les éclaircissements. Voilà. Maintenant, dans vos propos, quand vous dites ces gens, tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce qu'ils ont fait, il y a des personnes qui se disent que vous êtes rentré dans une campagne de dénigrement. Voilà. C'est clair. Il faut être clair. C'est vrai. Parce que DJ Congélateur et manager confirmé a le vent en poupe, donc vous êtes rentré dans une campagne de dénigrement. Pourtant, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est quand un petit frère qui vient vers nous, qui souffre, nous explique une situation. Moi, si c'était arrivé, j'allais le refaire. D'accord. Je vais l'aider, je vais le soutenir comme je peux, jusqu'à ce que, au moins, le petit se retrouve épanoui, tout ça, puis bon. Il reprend le travail. Moi, je veux savoir, ouais. Congélateur. Quand tu vois tout l'engouement qu'il y a autour de manager confirmé, quand tu vois à quel point tout le monde lui fait des dons et tout ça, ça te fait pas mal. Tu n'es pas un peu aigri. Ça lui fait mal. Elle fait mal, mais elle est plus contentée sur son travail. Là, on est un gros projet. Elle fait mal, mais moi, elle concentre sur mon travail. Il travaille, il y a deux jours. Moi, il ne peut pas prendre sort des cabris pour mélanger dans sort dans mon mouton. Voilà. Et puis, il ne peut pas manger. Moi, concentre-moi mon travail, concentre-moi mon sauce qui est préparée là. Je pense que c'est son travail qui va ramener les Ivoiriens à comprendre la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux situations. Il y a une situation où il parle d'ingratitude. Il y a une situation où quelqu'un parle de maltraitance. Les gens ne jettent même pas le regard long dessus pour chercher à comprendre. Et il n'y a pas que pourquoi. Maltraitance. Hein. Voilà. Il y a d'autres choses. Il y a viol, etc. Parce qu'il a dit tout à l'heure qu'il n'était pas consentant. Il n'était pas consentant. Il avait des rapports sexuels avec manager confirmé. Donc ça encore, ça reste à prouver à vérifier. Bon, hein. Donc nous, aujourd'hui, même départ, on ne va pas faire une campagne de dénigration, mais de dénigrement. Tout ce qu'on fait, c'est de se concentrer sur le petit, comment rehausser sa carrière. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, le congélateur peut revenir à son meilleur? Non, il va revenir. Parce qu'il a véritablement fermé la porte, écoutez, on a ouvert, on a demandé à manager de remettre les réseaux sociaux de l'enfant. Il a refusé. Okay. C'est lui qui a créé la page, il cadre la page DJ Congélateur officiel. On a créé une page DJ Congélateur original. En moins de 5 jours, nous sommes à 30 000 followers. Mm-hmm. Et quand vous regardez, si vous allez tout à l'heure sur la page, vous allez voir toutes les personnes qui commentent. Des États-Unis même qui le soutiennent, qui envoient de l'argent. Effectivement, il y a des gens qui le soutiennent, voilà. C'est clair. Il y a des personnes qui le soutiennent sincèrement. Mais il n'a plus l'engouement qu'il avait au tout début. On va dire que. Oui, mais vu que. On va dire que la carte a changé de main. On voit quelqu'un qui se joue la victime, un peu sur le plateau télé, qui se joue la victime, et que du coup, tout le monde va vers lui à cause d'une photo.
qui n'est même pas vrai dans le fond. Okay. Parce que pourtant, il y a la donc, vérité. Il faut apporter la vérité, il faut expliquer clairement. Ouais, c'est pour cela que nous qu'on comprenne. Parce que là, il faut dire que congélateur, franchement, moi, ça me fait vraiment de la peine pour lui parce qu'il est en train de souffrir. Et tout à l'heure, je lui ai demandé, quand tu vois l'engouement suscité autour de la personne de manager pour filmer, est-ce que ça te fait pas mal? Il a dit, ça me fait mal. Il en souffre. Clairement, il en souffre. Parce okay. qu'à la base, c'était lui. Mm-hmm. Et maintenant, on le descend. Et Manaja monte. Mm-hmm. Donc je comprends sa position. Actuellement là, il y a même Bangalé, pite ça. Non. Oyoyake. Dina oule, Oyoya. Moi, mon nom, il y a, lui là, son nom là. C'est machin, les gens, ils en train de faire quoi. Mm-hmm. Les gens, ils vont oublier lui là même. Quand j'ai la carte, celle-ci pour venir, ils vont oublier. C'est machin, les gens en train de faire quoi. Mm-hmm. Là, quand il va suivre et puis. Là, ils vont. Tout ça, on lui a terrain. On lui donne l'argent. Peut-être même. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dis du fait que quand le congélateur et manager a confirmé a reçu un terrain, il a dit qu'il te donne aussi. Mon grâce à Dieu, Tiaou, l'argent est avancé. Mais un terrain qu'il a dit qu'il te donne aussi là, tu veux pas? Qui? Manager a confirmé, on lui a donné terrain. Il dit non, qu'il lui te donne aussi un terrain. Et donc, amène-nous de ta maman dessus. Non, moi, il veut pas son terrain. Tu veux pas? Tu es gamé, hein? Il y a une structure même qui lui a donné aussi un terrain. Moi-même, il y a je vais encore faire la rencontre et la structure. Okay. Et plus bleu. Non, parce qu'on a vu sur la toile, manager confirmé qui dit qu'on lui a donné un terrain, que lui, il ne veut pas laisser son frère congélateur en marge. Non, qu'il donne à sa mère. C'est elle qui collabore aujourd'hui, on se concentre sur la carrière. Il ne travaille pas avec parce toi. Il n'y a pas qu'il soit affecté avec ce qu'il a vécu. Voilà. Il ne travaille plus avec toi et puis c'est terrain, tu as le donné. Mais il veut le faire de façon symbolique. Non, attends, il dit que c'est plus avec lui. Il veut me dire quoi. Pourquoi tu ne travailles pas avec toi et puis tu as mis dans le terrain. Mais et alors, ça fait quoi? C'est de la gentillesse ou bien ça, moi, je ne peux pas parler. Moi, il regarde mon dit avec le travail. Moi, il pensait sur mon dit. Mon dit qu'il y a un moi, il ne laisse pas dire, je suis chrétien. Moi, la charge, je prie. Donc, tout ça, là, les gens parlent quoi. Il est quoi. Il est monté que toi. Moi, ça m'a fait rire. Moi, il m'en fout de ça. Moi, mon dit, là, grâce à mon dit, là, il a avancé. Et vous connaissez ce qu'il fait sortir tout de suite là. Tout de suite là, les problèmes là, ce qu'elle fait sortir, vous connaissez. Mais d'autres personnes disent que le congélateur n'est pas fort. Les gens ne la connaissent pas encore. C'est ça, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas fort en tant que chanteur. Moi je te laisse au mot, vous allez découvrir la bombe qui se prépare. D'accord, on attend de voir. Donc on attend de voir, vu que c'est quelque chose qui est en cours. Et le son sort quand? Vous savez, le son va sortir dans ces jours-là. Ça va sortir dans ces jours. Vous savez, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Voilà. On va montrer avec le travail. Le petit a chanté, on l'a laissé chanter. Il a chanté. Il a fini les sons propres. En un seul jour, il a pétri des talents. Et qui a arrangé le son? Ouais, c'est un arrangeur, un petit. On a vu Mel Villa Bodoku. D'accord. Donc il a vu toutes les sonorités, on l'a dit du la bien dedans. Quoi? Les bons morceaux, baoulés, les bonnes guitares, il a mis ça dedans. Maintenant, il a mis dedans, c'est Boba Mata. Boba Mata, de Yoro, là, il a venu jouer guitare. Ah, c'est Boba Mata qui l'a offert. Donc là, tu es avec le guitariste de ton idole, donc tu te sens bien. Là il me sent bien. Ouais. Maintenant, tu as une chanson que tu as fredonnée ici la dernière fois, là. Que c'est de Magalé chez moi, chewing-gum. Oh, les gens ont apprécié. Il y a un gars qui dit qu'il est en train de regarder l'émission, il mangeait chewing-gum. Et puis quand il t'a entendu, c'est de Magalé chez moi, il a jeté en même temps. Il a préféré jeter. Pardon, il faut fredonner, c'est un peu. Il fait trop. C'est pas plaisir, c'est manger chewing-gum. C'est pas plaisir, c'est manger chewing-gum. Il dit que c'est pas plaisir, c'est manger chewing-gum. Mais maman et papa, c'est manger chewing-gum. Bang, bang, bang. Bang 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 bang. Dieu m'a fait avancer devant moi. Et puis, c'est pas plaisir, c'est moi, chewing-gum. Ce qui veut me rincer, c'est moi, chewing-gum. C'est pas plaisir, c'est moi, chewing-gum. C'est pas plaisir, c'est moi, chewing-gum. Population d'Abidjan, c'est moi, chewing-gum. Tous les Abidjan quartier, c'est moi, chewing-gum. Population de la France, c'est moi, chewing-gum. Population de Paris, c'est moi, chewing-gum.
Non, faut que tu enregistres cette chanson. C'est ça, tu dois enregistrer. D'accord. À l'hôpital, bilan de santé. Voilà sa santé. Bon, d'abord, il avait des boutons. C'était beaucoup. On a géré tout ça. Bon, là, maintenant, bilan de santé, on a quand même résisté à tout ça. Et puis, chaque matin, studio, il travaille. Et là, il vit où? Il vit avec sa soeur. D'accord. Oui, il dit merci à toutes les populations. Il voit télémusique, votre mission. Vous prenez moi pour passer sur la chaîne. Chaque jour, je vous dis merci à vous. Dieu vous bénit vos familles, vos parents. Amen. Vous n'avez qu'à dire, Dieu vous donne nos vies. Et venez de parler dans un ensemble. Amen, Waïma. Donc, maman, Waïma. Et toi, Waïma. On a des mains. Alors, merci. C'était le Faf avec DJ Congélateur. Cette fois-ci, c'était pour parler de beaucoup de choses. Vous avez compris, comme je le disais, de son manager, bien sûr, Waïti. Son nouveau manager. J'espère que demain, tu vas parler avec Waïti. On y a. Il est là pour la vidéo, ça, il n'est pas mes calambas là, c'est pas bon. Okay. On a dit ma faille, papa tout pas. Il dit la vérité. Okay. Alors, big up à tous ceux qui nous suivent toujours depuis la toile, Salah, DJ Congélateur aujourd'hui, avec son manager, son nouveau manager, Whitey. Chola était de la partie, toujours avec son binôme de Falé. Big up au PDG Pierrot, big up à la grande famille Kangala Le Berger, big up à Franck Mian, le jeune industriel, big up à Aboudia, big up à Ange Bleu, le cultivateur, sans oublier la boutique chez Kra, la boutique de luxe, confirmée, certifiée. N'oubliez pas, il a ouvert désormais le S-Club. À partir des 10h tous les jours, restaurant, lounge, terrasse, le S-Club du côté de la 7e tranche, accueilli par le S avec toute son équipe. On est là pour vous. Surtout, sortez couverts. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous suivent. C'était Fafa avec DJ Congélateur et son manager, Whitey. Oh.